L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Maranatha. Le 6 février. Prêt à répondre. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ, le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. 1 Pierre 3, verset 15. Il m'a été montré que beaucoup de ceux qui prétendent connaître la vérité présente ne savent pas ce qu'ils croient. Ils n'ont pas une juste appréciation de l'œuvre pour le temps actuel. Lorsque viendra le temps de l'épreuve, certains hommes qui prêchent actuellement aux autres découvriront alors, en examinant les positions qu'ils défendent, qu'il y a beaucoup de questions auxquelles ils ne peuvent donner une réponse satisfaisante. Jusqu'à ce qu'ils aient été mis à l'épreuve, ils ne se rendront vraiment pas compte de leur grande ignorance. Il y en est beaucoup dans l'Église qui pensent tout naturellement comprendre ce qu'ils croient. Mais jusqu'à ce que s'élève la controverse, ils sont ignorants de leur propre faiblesse. Lorsqu'ils seront séparés de leurs co-religionnaires et contraints à se défendre seuls et à expliquer par eux-mêmes leur foi, ils auront la surprise de constater combien leurs idées sont confuses au sujet de ce qu'ils avaient accepté comme une vérité. Dieu réveillera son peuple. Si les autres moyens échouent, des hérésies viendront qui nous cribleront et sépareront la paille du grain. Le Seigneur invite tous ceux qui croient en sa parole à sortir de leur sommeil. Une précieuse lumière appropriée à notre temps est venue. Il ne faut pas que les croyants s'en tiennent à des suppositions ou à des idées mal définies sur ce qui constitue la vérité. Leur foi doit être fondée sur la parole de Dieu, de telle manière que, lorsque le temps de l'épreuve viendra, ils puissent se tenir devant les assemblées des hommes pour répondre de leur foi et rendre raison de l'espérance qui est en eux avec douceur et crainte. Les serviteurs de Dieu n'ont pas à préparer leur discours pour le temps où ils seront traduits en jugement à cause de leur foi. Leur préparation s'effectue jour après jour, en gardant précieusement dans leur cœur les vérités de la parole de Dieu, en se nourrissant des enseignements du Christ et en fortifiant leur foi dans la prière. Ensuite, lorsqu'ils seront traduits devant un tribunal, le Saint-Esprit leur rappellera les vérités mêmes qui sont de nature à atteindre les cœurs de leurs auditeurs. Dieu rappellera instantanément à leur mémoire les connaissances obtenues par une étude assidue des Écritures au moment précis où ils en auront besoin. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.